Donc du coup, je vous redis à tous bonsoir, merci d'être là, j'espère que vous allez bien tous, ça a l'air d'aller en tout cas sur le chat, et voilà, bienvenue à tous, on va se remettre dans Psychonauts ce soir, tiens, avant que j'y aille, voilà, je vois effectivement ton tweet, ton like, et là, c'est parti, hop là, hein. Ah non, ça c'est naze par contre. Je me suis trompé de touche sur le... Ah, sur la souris, et donc du coup, voilà. Parce que quand même que je joue sur la télé. C'est quand même mieux. Qui veut tailler des haies? Je pense qu'en tout cas pour ma part, j'en ai assez eu. T'as vu la SCP Foundation? J'ai vu un petit peu, j'ai lu aucun article, mais je vais le faire parce que ça a l'air super intéressant en fait. Donc je t'avoue que je me suis juste renseigné, mais j'ai encore lu aucune histoire. Mais sans doute, sans aucun doute, je le ferai bientôt. Mais merci du coup de m'avoir fait connaître ça. Hop là. Donc vaincre Jasper, ça c'est bon. Dégorer ça, on a vu, voilà. Est-ce qu'il va falloir aller dans leur tête aussi à eux? Pas l'air d'y avoir grand chose à faire de plus, hein. Vous me trouvez idiot, hein? Non. Général. Juste pardon, fou. Monsieur, je suis Napoléon Bonaparte. Oh, excusez-moi, Monsieur Bonaparte. Chut, je crois seulement être Napoléon Bonaparte. N'écoute pas ce demeuré. Il nie sa parenté parce qu'il en a peur. T'as lui aussi les schizo. Excusez, je suis en train de perdre une bataille face à ma santé. Sandek. Pour la France. Soldat, bon bah j'imagine qu'on va être parti pour aller dans l'esprit de Napoléon. Ah j'ai pas pris de quoi boire, merde. Tant pis. Je vais me dessécher en live. Et quitter le monde des fous pour de bon. Ah ouais, ça. Et ça l'est, ouais, ça a l'air en tout cas. Enfin, moi j'ai pas encore vu, mais. Je crois qu'on risque d'y être encore pour encore un petit moment, hein, dans cet asile. Mais a priori, d'après ce que j'ai compris, ça avait l'air d'être le dernier lieu du jeu. Va chercher à voir si. Oui, t'inquiète, t'inquiète. Oh, il joue à Civilisation en jeu de plateau. C'est mignon. Qui est-ce qui gagne? Personne ne gagne. Et qui perd dans l'histoire? Le glorieux nom des Bonaparte. Bon, j'abandonne. Ok, tu gagnes. Napoléon Bonaparte gagne encore. C'est le vrai Napoléon Bonaparte? Non. Enfin, je veux dire, le vrai Napoléon Bonaparte imaginaire? Ouais, en fait, je suis de sa famille. Incroyable. Vous me trouvez idiot, oui. Arrête de répéter ça à tout le monde. Ça ne me plaît pas d'être ici. Mais quand ce Bonaparte t'opère. Est-ce que vous entendez bien les dialogues? Très simple, c'est important. Face à un invalide du cerveau, c'en est devenu trop pour moi. J'ai décidé de m'en mêler pour faire rentrer l'amour de la victoire dans la tête de ce hamster dégénéré qui ose se faire appeler Bonaparte. Non, vraiment, grand papy Napoléon. J'aime la victoire, genre. Beaucoup. J'adore vraiment ça. Tu peux y aller, vraiment. En fait, là, j'ai l'impression que c'est les deux personnes qu'on entendait parler par l'autre, là. Hop. Étiquette de carton à chapeau. Parfait. Et tes frères, t'as gagné là-bas. Qui se déroule dans son esprit. Dafoc. Ça, on est dans un tout petit lieu, en fait. Ah oui, carrément. Il est très bleu, mais pas aussi bleu qu'un schtroumpf. Niveau dialogue, ça, on entend plutôt bien. Ok, c'est cool. Comment? Mon fainéant adversaire essaie vraiment de gagner? Il a envoyé des renforts? Eh bien, dans ce cas, que la partie commence vraiment! Que mon meilleur soldat s'avance! Toi, détruis ce con pour la France! Détruis ce con! Je te... Putain, quelle violence! Tu vas voir comme je te... Ah, ce pont, pardon! Tu es mort, mince! Oups! Ah oui,
Maintenant, je vais aller tourmenter ce pauvre paysan. Oh, non, regarde, le pont est cassé, je ne peux plus faire avancer mes pions. J'abandonne. Napoléon. J'ai compris, détruit ce con, quoi. Non, j'étais... Oh putain, la violence des dialogues, quoi. On va vous battre, monsieur mémoire génétique de Napoléon Bonaparte. Monsieur mémoire génétique de Napoléon Bonaparte. Ta joie de vivre. Tu vas peut-être réussir à apprendre quelque chose à ce Nico déjà gandé, hein? Alors... Et voyons ça. Tiens, il y a des trucs ici. Recruter un charpentier. Quoi? Ah ouais, oh putain, on change vraiment de taille. J'ai déjà entendu cette musique. Je suis pas le seul à avoir déjà entendu cette musique, on est d'accord. Putain, ça y est, on est tout petit. Putain. Ah, merde. C'est des escargots. Oh. Ah, on peut leur mettre le feu et ça tire des canons. Enfin, je crois. Bon. Qu'est-ce que c'est, ça? On dirait un bouchon de liège. Je ne sais pas à quoi ça a servi. Vas-y, tire-moi dessus. Aïe. Non, mais me tire pas dessus. Dessus. Bon, il faut que je recrute un charpentier, hein, c'est ça? Aïe. Bon, ok, j'abandonne cette idée-là. Oh. D'accord. Je vais juste récupérer un peu de vie. Ah, les blocs reviennent, merde. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est assez dommage. Bon, par contre... Il faut que je fasse quoi? Et des frais d'aguerre, c'est ça. Recruter un paysan pour combattre les soldats de Napoléon, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un paysan pour combattre des soldats. Et recruter un charpentier pour réparer les ponts. C'est d'accord, mais du coup, il va falloir que je trouve tout ce petit monde, quoi. Bonjour. Hello? Et je trouve personne. Je prends la vie. Il me manque encore un petit peu. Sinon je peux monter. Peut-être une meilleure vue de là-haut. Je sais pas. Ah bah tiens, on dirait une représentation de... Ça normalement... Enfin, c'est eux. C'est complètement la salle dans laquelle on était, mais... Putain, c'est Inception, quoi. Parce que là, concrètement, on est toujours dans la salle, c'est juste que... Bah, on est tout petit, quoi. Oui, oui. Ah ouais. Effectivement, ça doit être... vachement chaud. Moubot toujours en février, c'est vrai. Va falloir un jour que... Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à... Ce soir à... Enfin, ce soir ou... Pas notre moment, hein, mais... à me rappeler que du coup je dois encore changer ça. Ça y est, une étiquette de valise. Voilà ce qu'il me faut. Eh ouais, tu n'as pas encore l'étiquette de valise. Ah oui, alors par contre l'eau elle me tue. On est d'accord, je ne sais pas nager. Attends, il y a un paysan là, je suppose. Aïe, mais non. Hello. Famille, je vais envoyer un réparation. Putain, c'est chaud. Fred Bonaparte et... Du balai. Fred Bonaparte a oublié son peuple et son peuple l'a oublié. Quoi? Fred adore son peuple. Il me disait justement que certains de ses meilleurs amis venaient de... Du peuple. Il nous a abandonnés. Nul. Nul. Qu'on vive ou qu'on meurt. Bon, vous savez quoi? Je vais parler à Fred. Je vais lui parler. Et je vais vous prouver qu'il est à l'écoute des gens de son peuple. Et que son combat a de l'importance. Je le croirai quand je l'entendrai. Un peu moins critique la dernière fois. C'est vrai.
Mais attends, on n'est pas encore... Aïe. On n'est pas encore au bout de nos surprises, peut-être, hein. Aïe, putain. Ah, en plus, il y a un autre truc ici. En fait, il faudrait que je puisse éventuellement, je pense, rentrer dans ce bâtiment, parce que c'est là-dedans qu'il est, en fait, Fred. Ah! On est d'accord que... Ouais, c'est ça. Cette échelle, elle menait complètement à la... À la salle où on le voyait. Ok. Ça y est. Oh, en fait, ça, c'était juste pour le truc. Ok. Le temps que mon BTS soit fini. Ah, bah oui. J'imagine. Bon, bah, on va continuer à explorer un petit peu. Ça, c'est encore... un bouchon, on va essayer de trouver le charpentier parce que pour l'instant on a accès qu'à la moitié de la map. Après, ce niveau a l'air quand même plutôt intéressant, hein, par rapport à un niveau classique de plateforme 3D. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça, c'est un cuistot, ça n'a rien à voir. Si jamais vous avez bien vu, hein, sur la porte, il y avait un espèce de pictogramme avec une fourchette et une cuillère. Donc, le cuistot, c'est pas pour tout de suite. Ah, par contre, là-bas, il y a quelque chose à récupérer. Un casque. Ah, merde. Je peux pas le récupérer pour l'instant. Hey! Ah, hey, je peux peut-être traverser, en fait. Ah, là-bas, il y a encore un fermier. Ah, on voit les pictogrammes, en fait, sur le haut des maisons. Donc là, on a encore un fermier. Par contre, le charpentier, là-bas, on a encore un fermier. Encore un. J'ai l'impression qu'il n'est pas de ce côté-là de la map. Aïe, putain, mais... Tac. Aïe, putain. Mais quelle violence. Vous n'avez pas honte. Charpentier, bah non. Donc ça, c'est le pont qui a toujours un problème. Ah, 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 là, le pictogramme, il y avait l'air d'y avoir un marteau et compagnie. C'est peut-être par ici, en fait. Ça y est. Bonjour. Et là-dedans, il y a un charpentier. Il a plus sympa que le laitier, c'est vrai. Je suis pas un voleur, je suis recruteur pour l'armée de Fred Bonaparte. On manque un peu de monde dans le corps des sapeurs. Écoute, je sais que tu es un voleur. Je t'ai entendu marcher sur le toit toute la nuit à essayer d'entrer. Pourquoi ne descends-tu pas par la cheminée? J'ai un joli feu qui t'attend, monsieur le voleur. C'est quoi cette voix? Très bien. Si je suis un voleur, comment je peux être ici à vous parler et sur le toit en même temps? Peut-être que tu es ventriloque. Écoutez, si je vais voir ce qu'il y a sur le toit et si je m'en occupe, vous viendrez vous battre contre Napoléon? Oh putain, d'accord, il y a tout un chemin à faire. Peut-être. C'est d'accord. Oh, il y a tout un chemin à faire. À partir de l'endroit où j'étais en plus. Déjà, il faut que je grimpe là-dessus. Bah ouais, mais comment est-ce que tu veux que je fasse attention, wesh? Courage. C'est pas une voix creepy, ça. Non, c'est pas une voix creepy, enfin... C'est une voix... bizarre, j'ai envie de dire, enfin...
Je la trouve pas en accord, en fait, avec le perso. C'est censé être un charpentier. Putain, mais... Attention. Bon, là, on est d'accord que je vais crever, hein. De toute façon, on a une vie supplémentaire au pied de l'échelle. On avait... Putain... Attends, elle était là du temps que... Ah non, je l'ai récupérée dans la foulée, d'accord. Parce que j'étais déjà à 8. J'ai eu peur. Eh ben ouais, un peu. Eh ben putain! Mais stop! Oh putain, c'est sérieux. Allez, putain. Sérieusement. Ah, c'est bon. Je peux pas tuer ce truc qui te bombarde. J'ai essayé. Alors, je me suis peut-être mal pris aussi. Mais j'ai pas réussi. Voilà. Parce qu'en fait, il se replie sous forme de coquille. Quand tu essayes. Putain! Après, les contrôles sont un peu à revoir. Hein. Là, tu vois, si jamais tu fais ça... Bon, fuis! Je t'en prie! Aïe! Mais quelque part, c'est un peu grâce à lui que j'arrive à monter sur ce truc, parce que sinon... C'est tellement mal géré. Toi, t'es sérieux? On peut même pas? Ah! Putain, mais j'y vais par où, wesh? Attention! Aïe! Comment pour grimper la dernière fois? Ah voilà, c'est comme ça que je voulais faire. En fait, autant grimper de ce côté-là. Mais putain! Et là, voilà. Non, non, allez, un petit effort, putain. Sérieusement. Ah, allez, s'il te plaît. Vas-y, tu peux le faire, Raz, tu peux le faire. Oui, c'est bien, mon gars. Mon garçon. Putain, mais... Est-ce que j'ai dit qu'il y avait des choses à revoir au niveau des contrôles dans ce jeu? Putain. Je vais criser un peu. Oh putain, t'es sérieux? Ah! Oui! Ah, faut peut-être se mettre en invisible. Voilà. Non! C'est vicieux, ouais, un peu, là, c'est...
Après, tu me diras, c'était les débuts de la 3D, on savait pas trop, putain, trop encore comment faire des jeux en 3D sans que ce soit frustrant, quoi. Puis bon, les jeux en 2D, c'était pareil, hein, y a eu besoin de travailler un peu l'ergonomie pour qu'il y ait vraiment des standards qui s'imposent. Non, ça marchera pas. Mais là, je dois avouer que, en termes de chiantise, putain, ce jeu fait fort! C'est bon. On reste calme. Ok. Attention. Ah! Putain, t'es sérieux? Je suis retombé en fait sur le poteau qui, lui, ne rebondit pas. Putain que c'est drôle. Mais... ouais, c'est comme ça. Tu vois? C'est... À un moment, on va savoir pourquoi. J'ai pas rebondi haut. Ah. Bon. On va pouvoir y aller. Tac. Oui, aïe, aïe, aïe. Attention, 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 attention. Voilà. Alors là, on a un sac, j'ai pas encore son étiquette. Attention. Aïe. Ah ouais, mais là. Toi. Quoi? Zen, soyons zen, oui. Oui, tout à fait, oui. Soyons zen. Non, mais ça sert à rien de s'énerver dans des jeux vidéo. Après tout, quand on joue aux jeux vidéo, c'est pour passer un bon moment, se détendre et savourer le plaisir du jeu. Ah, en fait, je peux me servir de la fumée de cheminée pour monter. Ça, en soi, c'est bien pensé. Ouais, non, là, j'ai fait un peu deg. Putain. Et en plus, je l'ai même pas battu. T'es sérieux? Ah, oups là. Là. Maintenant, on va essayer d'atterrir là-dessus. Voilà. Et maintenant... oula, trop juste. Ah non, ça passe. C'est bon. Bon. Bien sûr, j'imagine que l'autre pingouin, là, il est toujours là. Ah! Ouf! Ouais, tu peux mourir, merci. Aïe! Ah putain, en plus un gros... Je sais pas comment on fait pour les battre, les gros, déjà. Je me souviens plus. Aïe. Ah. Voilà. Et coucou Mother, comment ça va? On dirait de ton lit. Oula, tu es avec nous dans ton lit? Oh putain. Bienvenue sur le live en tout cas. J'espère que tu aimeras ce live très zen
et sans aucune rage. Voilà. Voilà. Je vais bien. Mais c'est vrai que je ne sais toujours pas comment est-ce qu'on bat les gros. Je sais que je les évitais quand j'étais... Je les évitais dans le monde d'avant. Faudrait peut-être que je... Voilà, que je tire, en fait. Merde. Oui, c'est bon. Mais... Je veux le coffre, moi. Fred contre... Oula, par contre, ça, voilà. Fred contre Crispin. Donc, j'imagine deux amis, Fred et... Ah, il travaillait dans un asile, en fait, Fred. Et donc, il y avait quelqu'un qui allait mal, apparemment. Et il lui a offert Waterloo. D'accord, et il jouait avec un malade, quoi. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce qu'il se fasse battre? On se voit demain, petit panda. Où c'est vrai, on se voit demain. Putain, d'ailleurs, il faut que j'imprime mon billet, j'ai toujours pas fait. Et ça, on se lève à 3h du mat pour faire 6h de route ce soir. Ouch! Bon, 6h de route ce soir, n'importe quoi, dur. Et bah. Bon courage à vous deux. Le temps de faire un arrêt au Airbnb. Dans la salle, on arrive vers midi demain. Waouh! Waouh! Et donc, du coup, Fred a un petit peu trop pris à cœur sa victoire, apparemment. Bon, maintenant, ça, c'est bon. Donc, on peut aller voir le charpentier, du coup. Ok, vous pouvez sortir. Le voleur est parti. Waouh, tu es plutôt fort pour un ventriloque. D'accord, me voilà. Tu n'es tellement pas un charpentier dans ta voix, mec. Où il y a du bois à couper, et je m'en occupe. Ah bah, le bois à couper... Ah non, le bois à couper... Moi, je voulais le bois... Je voulais que tu répares le... Wesh... Du bois à couper... Bah, il y a des arbres partout, wesh. Là, regarde. Là, ici. Wouhou. Donc ouais, on est dans une espèce de jeu de société façon civilisation. Ce qui explique un petit peu le truc un peu bizarre, mais... Oh, Momo, je peux t'appeler Momo. Oh, magnifique pour Mother. Elle va kiffer. Non mais montre-moi où il y a du bois à couper, quoi. Sinon, rétablir la confiance du paysan désespéré envers Fred. Attention. Aïe. Ah. Oh oui, c'est comme ça qu'on les bat. En fait, on va dire qu'ils vont genre tirer à l'intérieur de leur corps, un truc comme ça. C'est comme ça qu'on les bat. Attends, j'ai battu l'autre alors. Faut les taper. Du coup, ils se renferment dans leur coquille. Et à partir de là, il faut les allumer. Et là, c'est un peu comme... Ouais, s'ils se... Comme s'ils se tiraient à l'intérieur de même. Là, on voit les yeux. Ça te plaît pas, ça. Par contre, la confiance envers les... Bon, bonjour, monsieur le cuisinier. On va quand même tenter. Hello.
Désolé, je ne donnerai pas l'assaut à la place forte de Napoléon. Je suis trop faible. Oh, d'accord. Vous voulez que j'appelle un docteur? Non, je ne sais pas. Le capitaine joue les allumeurs, c'est un peu ça, ouais. On ne trouve pas de quoi se nourrir décemment par ici. Une armée doit avoir l'estomac plein. Et une force d'élite telle que moi a besoin d'une cuisine d'élite. Oh, eh bien, je vais voir si je trouve un endroit qui propose des plats à emporter. Rien que le meilleur, jeune homme. Je suis français. Et seuls les meilleurs plats de la cuisine française peuvent ravir mon palais. Je suis français. Je peux monter à l'assaut de quoi que ce soit, sauf un vomitoire. Ok, bah bonne nuit à toi. À vous, d'ailleurs, bonne nuit à vous et bon courage pour demain, Mother. Merci d'être passé. Recruter des escargots pour le vaillant chevalier. Bon. Qu'est-ce que cela? Après ça c'est des... C'est juste des bouchons. Oh! Ah d'accord, c'est des trucs pour nous faire changer de taille. Cool. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh. Laisse-moi tranquille. Voilà. Ah, bonjour les escargots. Merde. Je suis en train de les écraser là ou de les capturer. J'ai 2 sur 10. On va continuer. Hein. Faut les coincer en fait. Parce que sinon ça ne marche pas. En fait, ils vont à la même vitesse que nous, donc faut vraiment les coincer. Donc, si jamais j'arrive à les coincer, tous les restants, ce serait l'idéal. Bon. Alors toi, tu vas me faire chier, voilà. Non! Ok, les escargots, c'est l'heure de servir la cause. Les escargots, prenez-les-nous en photo si c'est possible, on va essayer. On va essayer. Si l'heure est vraiment à la guerre. Très bien, ce pays des merveilles. C'est vrai que c'est le truc que ça donne un peu. De baisser la tête et de nous cacher dans nos coquilles. Après tout, nous sommes des guerriers en armure et ce pays est aussi le nôtre. Nous sommes peut-être lents, mais nous suivons toujours le sentier brillant de la justice. Un sentier que nous créons dans nos cœurs. Conduis-nous et allons faire des trous dans les feuilles du jardin de Napoléon. Waouh. D'accord. Que veux-tu répondre à cette tirade? Alors là, par contre... Attention. Aïe. Amener la pièce en forme d'escargot au restaurant pour que le vaillant chevalier puisse faire un repas digne de ce nom. Ah! Moi je veux bien, mais on les apporte comment en fait? On les déplace comment les pièces? J'ai pas trouvé moi encore. C'est ça la pièce escargot? Ouais, c'est ça la pièce escargot. Ah, mais je suis con, faut peut-être se grandir. Voilà! Un petit conseil, mieux vaut laisser tomber. Fred va gagner. Ah, quel plan majestueux. Je vais brûler le bois par la pensée. Mais ce serait, comment dit-on, tricher. Non. Hé, hey, ne touche pas à mes pièces. C'est de la triche. Non, c'est utiliser mes atouts. Attends, là, je vois qu'il y a mon... Qu'il y a une étiquette. L'étiquette de valise, tiens, parfait. On peut pas le brûler lui. Bon par contre voilà c'est pas ouf.
Hé, hey, ne touche pas à mes pièces! C'est de la triche! Que faire à partir de là? Non, ça c'était pas utile de revenir là. Bon, j'ai toujours pas trouvé comment déplacer les pièces, mais en même temps, je vous dirai. Ah putain! Aïe! Voilà. En même temps, je vous dirai. Je crois qu'il va falloir quand même que je reconstruise le pont avant. Donc voici. Si vous alliez réparer ce pont cassé là-bas. Et si tu me déposais là-bas, j'ai l'impression que mes pieds sont collés sur ce socle. Ce qui est un peu bizarre. Et si tu me transportes. Et je fais comment? Ah, mais si, oui, j'ai un pouvoir de télékinésie, c'est vrai. Sacré update. Ah bon? Il y a eu une grosse update de Twitch? Voilà, télékinésie. On va te mettre là, allez. Voilà. Et donc on va te déplacer ici. Oh, mais qui est venu détruire mon si joli pont? T'en fais pas, trésor. Mode de co, ah merde. Je vais te remettre à neuf en un rien de temps. Ça ressemble plus au site internet maintenant, pas de tweet, de lab de... Oh, ok, cool. Je suis fort. Oh, je suis fort. Ça, d'accord. Je peux pas déplacer ne cette... Ne touche pas à mes pièces. Oh. C'est de la triche. Oh, qu'il est agaçant. Oh, en fait, ça, je peux le faire. Voilà. Là, tout de suite, c'est... Ah, c'est cool, alors. Delicieux. Je n'ai pas mangé d'aussi bons escargots depuis l'anniversaire de la duchesse. Et même... Quelle horreur. Pas autant d'esprit. Je me sens... Je suis pas très fan d'escargots, je vous avoue. Allons prendre la place forte... La sauce qu'il y a avec, oui. Gagner cette partie pour... Mais sinon, non. Bonaparte. Mais faisons vite, je sens que la fin va bientôt revenir. Sous ces bugs minces. Vois si jamais tu peux pas changer la qualité. Ok, on en est où maintenant? Rétablir la confiance du paysan désespéré envers Fred. Et là, comment je peux faire? Eh ben, peut-être qu'il faut que je repasse en version grande. Avant tout, j'ai quand même envie d'aller récupérer la valise. Et il y a aussi le sac marin que j'ai trouvé, mais j'ai pas trouvé l'étiquette encore. Voilà. Moi non plus, je suis pas fan. Ouais, j'aime pas les manger, j'aime les escargots, mais pas comme ça, d'accord. Ouais, je crois qu'on est à peu près tous d'accord en fait. Et donc, redevenons grands, essayons de parler au mec si on est grand, ce sera peut-être mieux. Wouhou! Concrètement, Fred, il était à l'intérieur là. Là, c'est encore un fermier. Là, c'est on sait pas quoi. Tada! C'était facile. Place forte prise, partie gagnée. Oh, il faut que tu prennes la place forte avec ton chevalier, espèce d'idiot. Oh. Donc c'est ça, c'était ça alors le... Il me fallait un chevalier.
pour prendre la place forte et il me semble que c'est le cuisinier. Bébé. Il peut pas traverser l'eau. J'adorerais tuer ce soldat ennemi, mais je crains de devoir conserver toute mon énergie pour la place forte. Je n'ai pas mangé assez pour exécuter plusieurs assauts, tu comprends? Ah. Donc en fait, il faut avoir... J'imagine qu'on va avoir plusieurs soldats à affronter, en fait. Et à chaque fois, il va falloir utiliser un fermier. Mais du coup, ce fermier... Sauveteur d'escargot, hey, c'est ça. Est-ce que ce grand soldat vous embête? Oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas se battre contre lui? C'est quoi la paix? J'avais pas pensé. La liberté? Laisse tomber. Ok. Pour la peine, je te vole tous tes moutons. Ah! Quelle est cette chose? C'est quoi ce truc? Ah, cette salière nous barre le chemin. Je parie que le vrai Napoléon n'a jamais eu affaire à ce genre de problème. Y a des chances que non, effectivement. Putain, une salière, que fou, là, cette salière ici, quoi. Je peux pas la déplacer? Apparemment, si, je peux la déplacer. Ah, d'accord. Ça servait à rien. Très bien. Là, je redoute un petit peu le truc. J'ai comme l'impression que... On va me jarter encore. Sérieusement. On va y en voir. Voilà. Eh, putain. Attends. On va reprendre le feu. Parfait. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah non, d'accord, il y a les pieds du mec. Ah bah tiens, parfait. Après là, je sais pas quoi faire tellement. Profondeur maximale de projection accrue, parfait. Maintenant, je peux avoir 9 vies, donc. Si j'ai bien compris. Bon, je vais dans back la ville, c'est une commune. Hein, et plein d'escargots. Waouh. Je suis pas très fan d'escargots pour le coup, mais. Mais bon. Je sais que chez mes parents, par moment, il y en avait plein aussi. Mais du coup, c'était... Enfin, moi, je trouvais ça un peu... voilà... dérangeant, par moment. Quand, bon, bah, tu pouvais pas rentrer... tu pouvais pas faire le chemin garage-maison sans entendre un crack quand tu marches. Bon, maintenant, ce que j'aimerais, ce serait quand même une vue un petit peu sur... une vue d'ensemble, s'il vous plaît. Parce que là, du coup, c'est cette ferme, en fait, qu'il me faut...
Toi, tu peux pas combattre. Hein? Ah, ça dit ce que tu... Ah oui. Ouais, j'en prenais une boîte et j'en avais à manger à bord. J'en ai fait des animaux de compagnie. Oui. Marrant. Hey. Non, non, c'est pas... C'est... Bah, c'est pas ce que je voulais faire, désolé. Oh, j'aimerais vraiment aller là-bas. Mais ce soldat me donnerait une raclée. Et on ne me paye pas pour ça. Oh. Petite nature. En fait, là, tu vois bien le chemin que doit prendre le cuisinier, en fait. Il doit faire ça. Ensuite, il doit venir là. Et ensuite, il doit venir là. Et il vient jusqu'ici. Juste une chose, du coup, qu'il faudrait... Est-ce qu'il y a quelque chose de changé là? Hey, on a vraiment besoin de votre aide là-bas sur le champ de bataille. Tu as déjà parlé à Fred Bonaparte? Ah oui, je savais que j'avais oublié un truc. La meilleure répartie. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ah ouais, par contre, là, il va falloir que je reprenne la visibilité. Là, ça devrait aller. Est-ce que c'est le bon sac, du coup? Il lui faut une étiquette de ça. Oh, putain, c'est pas la bonne étiquette que j'ai. Donc, comment on fait pour parler à Fred? Ah, si ça se trouve, fallait faire prendre le même chemin. Oups. Bah. Allez. Là, et... Fais un effort, merci. Est-ce que par là, du coup, ce sera mieux? J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment passer de l'un à l'autre facilement. Ah oui, en plus, on peut même pas monter sur le toit. Ok, bon, comme ça, c'est dit, c'est réglé. Cette échelle est quand même bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Je sais pas trop ce qu'on peut faire. Clairvoyance peut-être? Apparemment non. Ces animaux à carapace. Apparemment. Oula. J'ai rapproché la table. La caméra a valdingué un peu. C'est le mâle ou la femelle dominant. Si vous parlez toujours d'escargot, y a pas de mâle ou de femelle. Ah, vous voyez, on peut même pas y aller. C'est comme s'il y avait un mur invisible tout autour du château. Ah, voir. Attends, voir.
Est-ce qu'on peut pas... ça a l'air d'être en bois. Est-ce qu'on peut pas, genre, cramer ça? Bah non. Eh bah non. Fait... Ouais, mais je pensais... Franchement, j'y croyais. Mais du coup, j'ai... à peu près tout essayé en tant que petit. Que petit, pardon. En tant que grand, il n'y avait pas grand chose à essayer, j'ai l'impression. Franchement, je peux faire quoi moi avec ça? Paire de lunettes, dis donc. Si encore! Si encore je pouvais remonter. Et aller parler au vrai Fred directement. Ce serait tellement plus simple. Putain, je suis sur du fromage, quoi. Pardon, monsieur Bonaparte, mais comment on joue à ce jeu? Ha! Ce jeu est si facile que même un enfant comme toi peut y jouer. Il suffit que mon imbécile de descendant vienne placer un chevalier au centre de ma place forte. Les chevaliers sont efficaces contre les places fortes, mais pas sur le champ de bataille. Alors, il lui faudra une bonne milice pour affronter... On avait à peu près tout deviné, je crois. Hein. Mais il n'a pas de milice. Ces gens se cachent dans les maisons, désespérés, affamés et sans armes. Oui, mais... Donc tu vois, c'est un jeu facile. Mais Fred l'a déjà perdu. Pas cette fois. Cette fois, nous allons gagner. Non, c'est faux. Ferme, Fred. À moins qu'il faille... Je me demande si faudrait pas ramener certains de ces soldats devant la ferme pour que la ferme se dise « Oh tiens, il s'est bien occupé de ces deux gens, peut-être qu'il s'occupera bien de moi. » Je crois que je rêve un peu. Concrètement, il me dit clairement qu'il faut aller parler à Fred. Vraiment besoin de votre aide là-bas sur le champ de bataille. Tu as déjà parlé à Fred Bonaparte? Moi je veux bien lui parler, mais là il y avait rien, enfin il y avait un sac, c'est tout. Oh. Quelqu'un voit comment faire, je suis preneur. Parce que là, sinon, j'ai un aspiratoile, mais ça va me servir à rien, on est d'accord. Des fois, il fait des sons bizarres quand même, hein, le monsieur.
Pourquoi il remue comme ça, lui? Oui. Hey, mais non. Tu es dans quel camp? Beau travail sur ce pont. Oui, on tient le bon bout. Humour de charpentier. C'est drôle. Très bien. Prenons la place forte de Napoléon et gagnons cette partie. Une partie? Guerre! Wouh! Oui, cette place forte a des murs épais, mais je vais l'ouvrir comme une coquille. Et je vais enlever cette coquille et faire sauter l'intérieur dans du beurre. Et manger à m'en faire éclater la panse. On se concentre, c'est la guerre. Oui, eh bien, dépose-moi là-bas qu'on prenne cet escargot. Place forte. Place forte. Oui. Je ne sais pas quoi faire. Wow. Ouh. Je te vois. Tu es là. Oh là. Oh putain. D'accord. C'est je sais pas qui nous voit. Et il nous voit. C'est le charpentier là qui nous voit. Oula. C'est très dérangeant comme point de vue. Et. Ah non, le. Il voit vraiment la statue du cuisinier. Mais c'est tout. Moi ça va bon. Mon animal préféré, je crois que c'est une de notoriété publique que il s'agit du panda roux. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Je suis absolument pas original. Je sais. Là, je peux pas le faire aller directement d'ici. Rétablir la confiance du paysan désespéré envers Fred. Il faut que j'aille parler à Fred. Aider Fred à gagner la bataille qui se déroule dans son esprit. Recrutement. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Bon, le truc, c'est que j'apprécierais d'avancer, mais là en l'occurrence c'est un peu compliqué quoi. Je sais pas comment parler à Fred. Puis un panda, oui. J'imagine. Qu'il y a de bonnes chances pour que le live s'arrête comme ça en fait. Help somebody!
travail sur ce pont. Oui, on tient le bon bout. Humour de charpentier. Non. Mais le charpentier, du coup, maintenant, il me sert plus à rien, quoi. Oui, non, mais ça, c'est... Je m'en fous de ça. Bouclier, ça va me servir à rien, on est d'accord. Ne touche pas à mes pièces! C'est de la triche! M'en fous. Complètement. Bonjour, ici le live de la galéritude. Hello, le chat, est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que pour faire un bilan, moi j'ai besoin d'un fermier qui est là, qui cherche à avoir... confiance en Fred qui est là-dedans, mais j'arrive pas à rentrer en contact avec lui, quoi. Et là, en l'occurrence, je peux même pas chercher sur internet ou quoi, vu que j'ai plus la prise sur la souris, quoi. Besoin de votre aide là-bas sur le champ de bataille. S'il vous plaît. Tu as déjà parlé à Fred Bonaparte? Oui, je lui ai déjà parlé. Mais pas de toi. Ah non, oui. J'entendais un truc, mais en fait, c'est le... C'est vrai qu'il y a encore un... Un sac là-dedans qui est en train de pleurer. Je vais réessayer de monter. Thank you.
Ok, cool, merci Yopsy. Parce que là, c'est vrai que j'avoue, je sèche complètement. Mais genre, complet. Et ça rend le jeu un peu chiant quand même. Tellement je galère. C'est nul. C'était tellement nul. Bacon. Lévitation, tir, bouclier. Ok, ça, on est d'accord que ça va me servir à rien quand même. Merci Pyro, merci. Mais là je t'avoue, je. Ou alors, est-ce que... Attends, on pourrait peut-être essayer un truc. Mais mon dieu, que cette partie-là est chiante. Là, la... La télékinésie. Essayer de ramener soit le menuisier... Le charpentier, pardon. Soit le... Le cuisinier. À côté du truc. Oui, enfin, t'es gentil, mais... Non, non. Très bien. Prenons la place forte de Napoléon et gagnons cette partie. Utilisez une bande à bouchons, tape pour faire péter le bouchon et utilisez les tiges sur une échelle sur le bord du plateau de jeu pour remonter... Ah ! Comme une coquille. Et je... Une échelle ? Ah, est-ce que ça, ce serait une échelle? Oh putain, c'est une échelle. Incroyable! Hey Fred, le problème, c'est que les gens croient que tu t'en fiches. Quoi? Merci, Yupsi. Alors, mène-les à la victoire, poule mouillée. La ferme. Ils pensent que tu te fiches qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Une lettre sur papier en tête disant que je serais triste s'ils meurent? Oui. Ah. Ah. Bien, si ça ne marche pas. Laisse-moi deviner. Merci Yupsi. Tu abandonnes ? Bingo. Ha ! Encore un jeu où je n'aurai aucun mal à te battre. Eh, hey, je te laisse cette petite Encore victoire si jeu. Tu y tiens tant, Nabo. Putain, on avance quoi. Alors, on va pouvoir y aller. Hey, j'ai un message important de votre intrépide chef. Coucou Brichoco, comment ça va? Oh, c'est rebloqué, j'ai la suite aussi. Ok, bah, pour l'instant on va voir si jamais je me rebloque ou pas. Mais bon. De pour sa cause. Vous ne c'est bon à savoir. Forcément. Vous pouvez gagner. Hey, c'est un grand chef, mais c'est toujours Fred. Très bien. Qu'on jette ma carcasse innocente dans la cruelle machine de guerre. Je suis prêt. Ok, super. Maintenant, il n'y a plus qu'à redevenir grand. Eh ben putain. Il nous en aura fait de belles, ce fermier. Oh.
Oh putain, t'es sérieux? Beaucoup de soucis, je trouve, hein, dans ce jeu quand même. Hey, arrête ça! Oups. Il est bien pensé, sauf que sur certains points, la réalisation est pas top du tout, quoi. Surtout au niveau des contrôles par moment. Là, typiquement, enfin, je veux aller sur cette case, merde! Voilà, mais. Ah! Ouf! Prends ça! Meurs! Je vais te tuer! Nous y croyons. Je n'en crois pas mes yeux, Fred! Tu viens de faire par hasard ce qu'il fallait. C'est vrai? Par hasard. Oui, mais je crains que ça ne suffise pas. D'autres soldats! Oh mon Dieu! Je hais les ponts! Ah, ah putain, donc le menuisier. Ça, le pont, c'est pour avoir tué mon père! Hé, hey, arrête de tuer mes ponts, ça me rend dingue! Putain, du coup, il va falloir ramener le. Le menuisier pour pas grand chose en fait. Tiens, par la même occasion, on va ramener le cuistot. Oh, mais qui est venu détruire mon si joli pont? T'en fais pas, trésor. Je vais te remettre à neuf en un rien de temps. Pourquoi il avait un accent allemand? Oh, je suis fort. Oh. Le mec qui s'autocongratule. J'aime beaucoup. Par contre, maintenant, il va me falloir un second fermier. Qu'est-ce qu'il voulait, lui, déjà? Salut. Bon, maintenant que ce type est parti, je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte. Et Fred s'intéresse à... C'est quoi la paix? Quoi? C'est un boulot à risque, je fais une prime de risque. Eh bien, je peux en parler à Fred? Remarquez, c'est pas pour moi. C'est pour prendre soin de ma famille quand je serai mort. C'est quoi cette histoire de mort? On va gagner! Oui, c'est ça. Mais ouais, pas toi! On a décidé Fred à payer. Ok, donc il va falloir aller voir Fred encore une fois. Trouver un moyen d'assurer l'avenir financier de la famille du paysan pauvre. J'imagine que bah, si ça se trouve, ça va être, il va falloir discuter avec Fred, mais ça suffira pas. Bon, et ben c'est le moment de recruter des troupes. Pas de problème, je vais écrire d'autres lettres, je pense à vous. Si tu signais un chèque plutôt, rassembler une armée va nous coûter de l'argent. Parfait. C'est que je n'ai pas d'argent. Enfin, j'ai bien cette pièce de collection très précieuse. Transmise de génération en génération depuis le père de mon père. Si tu le dis. Je l'ai pas revue depuis que j'ai essayé de la faire fondre. Tu quoi? Oh mince. J'avais besoin de plus de poids pour ma voiture de course à pédale. Ça n'aurait rien changé, vu ma place à l'arrivée. Ça m'étonne, ça. Qu'est-ce que c'est le truc du coup? Faut retrouver sa pièce fondue là? Oh regardez, on est à l'intérieur du coup. Oh. On essaye hein. Qu'est-ce que c'est ça? Dur d'avoir une bonne prise. Dur d'avoir une bonne prise. Ah, je l'ai trouvé, c'est hey, bon. Tu as retrouvé ma pièce rare super précieuse. Ouais. Oui, c'est ça, les vis, les cerveaux. Si tu y tiens, j'ai déjà assez de souvenirs de enfin, mes la vie. Comme ça. La barre de vis, ce sont les cerveaux, et ensuite, le nombre de vis, ce sont les têtes de mon bonhomme.
Donc quoi ? J'ai trouvé cette pièce rare dans le feu. Ah, celle-là. Ah oui, je peux la donner directement au fermier, j'imagine. Je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte. Et Fred s'intéresse à... C'est quoi la paix ? Hey, regardez la pièce que j'ai trouvée. De l'argent ! Ça alors ! De l'argent ! À la guerre, chérie, pour un chef incompétent qui ne connaîtra pas mon nom. Je te souhaite un bon mariage. Toujours aussi déprimant. Un bon remariage, quoi. Oh, pauvre. J'espère qu'elle ne dépensera pas tout en perles pour faire des bagues. Elle passe tout son temps à ça. C'est en partie pour ça que je suis prêt à mourir. Tu m'étonnes que tu sois pauvre. Aux armes. Et etc. T'as un bon argument. Ah ben... Le fric, toujours un bon argument. Bon, plus qu'à battre le deuxième soldat. C'est fou comme là, tout de suite, ça va plus vite. Je vais te tuer. Merci d'avoir donné ta vie, fermier. Pas mal, Fred. Je viens non seulement de me rendre compte. Ok. Tu te débrouilles bah ouais, voilà. D'habitude. C'est vrai que du coup, tu as. T'as pas vu énormément de Psychonauts vu que t'es arrivé récemment sur la chaîne. Défends le pont au péril. On en est. On en est au live 7, hein, n'empêche. Donc là, on en a un autre. Bonjour. Hello. Je recrute des soldats pour l'armée du généreux et attentionné Fred Bonaparte. Une arme. Quoi ? Une arme. Je veux une arme. Je ne tiens pas à mourir comme les autres, d'accord ? Ça, c'est parlé. Tu retrouves mon mousquet spécial et je sors. Je crois que je l'ai caché sous la paille dans ce bâtiment bien gardé là-bas. Ah. Ah. Ensuite, je signe et je tue les soldats de Napoléon, d'accord ? Je reviens. Ok, donc celui-là est un peu plus volontaire déjà. Par contre, effectivement, ça va être un peu plus chaud tendu pour réussir à... Oh, quoique. Aïe. Oh putain. Attends, on va essayer de se le faire. Voilà. Et donc, l'aspiratoile. Ça y est. Là. J'ai quand même l'impression d'entendre un sac pleurer. Oh, super. D'accord, je monte par où, moi? Par là. J'adore les phrases surréalistes qu'on a, en fait, quand on joue à ce jeu, du genre « J'entends un sac pleurer ». Merci pour vos GG, ça fait 2 semaines que t'es arrivé, ben oui. Et le temps passe vite, finalement. C'est beau les dalles d'herbe, ouais. Bah, ça fait... Enfin là pour le coup j'aime bien l'effet d'hexagone, ça me fait vraiment beaucoup penser à genre civilisation, tu vois. Ah. Parfait. T'as pas vu le moment le plus dérangeant avec Mila et c'est... Il y avait un autre truc qui était flippant. Oh bah... Le théâtre. Le théâtre était sacrément flippant pour le coup. Mais sinon, ouais, le passage avec Mila aussi, c'était assez... Assez hardcore en termes de malaisance.
Bon, là, d'accord. Ah, si, je peux faire comme ça. Non ! Pardon. Je prends vraiment trop les choses à cœur par moment. Non, pas dans ce sens-là. Voilà. T'as tout compris. Le théâtre, tu l'as vu ? Oui, oui, le théâtre, il est assez récent. Bah, il était là, c'était la semaine dernière qu'on se l'est fait, le théâtre. Je crois. Putain, t'es sérieux. Mais Mila, enfin, ça devait être... Non, pas par là. Genre, troisième ou quatrième live, quoi. C'est très vite arrivé. Voilà. Ce jeu malaisant, non, pas du tout, voyons. Malaisant, malsain aussi. Ok. Ah, on peut peut-être aller par là, du coup. En fait, ce que j'aimerais, ça serait qu'on finisse ce niveau. Oh, oh, oh. Aïe. Non, mais oh. Hop là, je prends le soin. Parce que là, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment pas loin de la fin, hein, du niveau. Bon, par contre, là... Hein? Je quoi? C'est comme si s'il fallait s'accrocher à ça. Mais j'ai rien pour m'accrocher, moi. L'aspiratoire, il va pas me permettre de faire ça, on est d'accord. Là, on peut pas monter non plus. Et j'ai moyennement envie de me refaire tout le chemin, n'est-ce pas? Après, on a la lévitation, mais la lévitation, c'est dangereux, j'ai envie de dire. Si, c'est bon. Ouf. Ça y est. Ça y est, oui, effectivement. Ah, la mal cabine, parfait. Alors j'imagine que ça on peut le faire cramer. Tac. Ah. Parfait. Je sais pas, j'ai envie de tout faire cramer, tu vois. Je me sens là une âme de... de pyromane. Ça alors? Un mousquet? Je parie qu'on peut armer quelqu'un avec ça. Et oui, maintenant je fais comment pour sortir? Ah ben comme ça.
Si tu m'as envie, va bien. Hein. Attends, c'est une maman piano qui dit à son bébé piano, ça va. Et là, le bébé piano répond que non, j'ai eu une mauvaise note. Ah, bravo. Je sais pas comment répondre à cette blague. J'arrête okay, certainement sur la fin, mais bonsoir, bonsoir Idol. Je me suis dit, tiens, je vais finir le niveau. Et comme j'ai beaucoup galéré pendant une bonne partie du live, non, c'est pas encore terminé. J'espère que tu vas bien, ceci dit. Il y a toujours du feu pour m'empêcher de descendre par la cheminée. Eh bien, vous ne pourriez pas vous battre contre ce soldat avant? Il est sur votre chemin de toute façon. D'accord, mais juste pour m'entraîner. Ok. Donc là, on se retrouve dans le plein milieu d'un jeu de société, de guerre en fait, façon risque ou civilisation. Surtout civi, hein, ça, enfin, comme je disais en fait, ça se voit surtout avec le... Hey ! Ça se voit notamment avec cette espèce de plateau avec les cases hexagonales, quoi. Et donc, on déplace les pièces avec la télékinésie. Chouette mousquet, hein? Oh, attends, il faut que je. Là, je vais bien, je pète un peu le feu, je pleure intérieurement. Et toi, tu as éventuellement terminé le dernier procès de Danganron Pavé 3. Peut-être. Oula. Impossible d'accéder au réseau d'amis. Mais je m'en fous. Pourquoi ça m'a. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Le chapitre 5. Pas le 6, oui. T'inquiète pas, j'ai suivi. Dans la place forte, remontez tout de suite le pont-levis. Oh non! Il faut bloquer le mécanisme. Hé, hey, pas le mécanisme, c'est de la triche. Grave. Toujours l'amour comme à la guerre. Tu t'es bien battu, mais tu n'iras pas plus loin. Ha, c'est ce qu'on va voir. Fred, bousiller le plein écran. C'était toi? Ah ouais, mais le truc qui... Allez, nous gagnons. Il suffit juste c'est... qu'on débloque ce mécanisme. Il suffit. T'es drôle. Mais ouais, sur le coup, le truc de... ouais, impossible d'accéder à votre réseau d'amis, il y en a rien à foutre. Concrètement. Par contre, du coup... il va falloir que je sois petit, je crois. Le pont-levis est là. Le mécanisme, a priori, est ici. Mais il faut être petit. Sauf que je ne peux pas être petit ici. Est-ce que je pourrais pas aller par là? Ah, mais en fait si, on peut aller... Regardez, on peut aller par là. Oh putain, par contre on va en chier. Saras. Oh le con. Ah bah oui, mais là non, ça va être mort. Concrètement, ça va être tellement mort. Ok. Bon. Quand on joue, on s'en fout en fait. Mais grave. Bah, quand on joue à des jeux solo, quoi. En l'occurrence, je joue à un jeu solo. Parce que moi je veux bien, mais ils sont beaucoup trop loin pour que je puisse les... Ça doit pas être comme ça qu'on fait. Parce que je peux pas les atteindre, les ennemis, de là où je suis. Merde! Attends, on va reprendre la lévitation. Non mais c'est une grosse blague. On est d'accord que c'est une grosse blague, putain. Putain, le truc est bien gardé en tout cas. Hein. Ça, y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est?
Pourquoi il y a des trucs de partout là, d'oiseaux? Bonjour. Attention. Attends. On réunit le couple quand même. Purée, tu voulais dire exactement. Mais c'est ce que j'ai dit. De toute manière. Oh putain. Aïe, putain. Punaise. Putain, les mecs déplacent les arbres, hein, quand même. Oh putain, là, avec l'éclairage, ils sont flippants. Ah. Attention. Mais, ça suffit. Mais vise. Ah, comme ça sera mieux. Voilà. C'est pas évident parce que, en fait, pour viser et tirer, c'est les deux gâchettes du même côté, en fait. Donc, du coup, ça donne un truc qui est pas franchement évident par moment. Et par contre, pour défoncer ces trucs-là, ça va être coton. Et voilà le point de vie qui allait dans l'eau. Putain, je vous en... Voilà. Cordialement. Ok. Bon, la musique ici, je la trouve plutôt sympa, n'empêche, je l'ai pas encore dit. Oh putain, t'es sérieux. Vas-y, tire-moi dessus. Voilà. Aïe, punaise. Point de vie. Voilà. Et je redémarre où? Quoi? Oh la vaste blague! Bon, tu me diras, il y a moins d'ennemis maintenant, mais. Mais quand même. Quelle a sorti un pur. Oui, non, mais. J'invente. Vous m'interdisez de dire putain, il faut bien que j'invente des mots, wesh. Je remplace quoi par putain. Enfin non, je remplace putain par quoi plutôt. Purée, c'est trop mainstream, tu vois. Hein. Punaise aussi. Non! C'est immonde ce que tu as fait, monsieur. Tu devrais pas être fier de toi. Purave, la rose 2019. Exactement. Purave. Voilà, on va dire Purave à partir de maintenant. Purave. C'est comme ça que pourrait s'appeler le sud-ouest de la France, genre, je sais pas, une purée de betterave ou un truc comme ça. Ça fait vraiment entre purée et betterave. Ça me fait rire. Voilà. Ça se voit, ça me fait rire. Non, là, j'essaie surtout de... Wouhou! Attention! Aïe. Attends, parce que là, du coup, il faut que je... prenne le feu. Oula, non. Attends. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Ben. Alors, lui, par contre, il résiste, quoi.
Ah non. Quand même. Oh là. Non. Oh putain, mur invisible. Sérieusement. Bon, on va s'interroger un peu plus en détail sur comment est-ce qu'on va à cet endroit là. Déjà, je pense pas qu'on puisse y aller par ici, hein. Non, mais... Attendez, il y a un chemin bien défini pour aller... Putain, purave. Voilà. Pour aller jusque là-bas. C'est bien pour une raison, quand même. Putain, t'es sérieux? Mais c'est... Ces trucs visent beaucoup trop bien en fait. Mais là maintenant, question d'aller sauter là-dessus, ça va être chaud quoi. C'est chaud. Ça va être vraiment chaud. Je sais faire l'accent québécois ou un autre accent. Je suis très nul pour faire les accents en fait. De temps en temps, j'essaie de prendre l'accent de québécois qui imite le français dans les soaps comme Le Cœur a ses raisons typiquement. Pute! Rave. Le Cœur a ses raisons, bien sûr. Très bonne série. Si jamais vous voulez vous marrer un bon coup, je vous la conseille très vivement si vous ne la connaissez pas encore. Même si, pour le coup, je pense qu'elle est très connue. Même si peut-être que les gens l'ont déjà vue sans savoir son nom, en fait. Le sourire, quoi qu'il arrive, hein, bien sûr. C'est dommage quand même, si je dois faire quand même une petite critique sur le jeu là à chaud, c'est dommage qu'on ait un jeu avec d'aussi bonnes idées, mais qui soit gâché par des trucs de game design en fait. Enfin là typiquement, niveau game design, je suis désolé, le canon il crash, enfin... Vous me dites ce que vous en pensez, mais il crache ses boulets beaucoup trop fréquemment en fait. Ça mérite un peu plus de latence quoi. Parce que là en l'occurrence, t'as à peine le temps de. Là en plus, bon ben voilà, je dois refaire. En prime, là, je dois refaire le truc. Zen, oui. Le nom me dit rien. Bah, si jamais ce sketch, pour le coup, il est très connu.
si jamais tu as un sketch avec un répondeur téléphonique où la fille, en fait, enfin un homme déguisé en femme pour le coup, essaie de répondre à une boîte vocale avec la boîte vocale qui lui fait faire n'importe quoi, c'est très certainement cette série. Ah putain, si, c'est bon. Ouf! Et par contre, là, je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, maintenant? Bon, voilà. Ben voilà, c'est tiré de cette série. Mais moi, mon passage préféré, ça reste quand même l'émission Au secours, vous êtes l'aide. Qui est typiquement le non-respect le plus total. Tellement drôle. Hop là. Ouais, je dis, il y a quand même des trucs à faire ici. Ça y est. Ouh. Je sais pas si ça a servi à grand chose, mais bon, tant pis. Putain, on va pouvoir enfin terminer ce niveau. J'espère qu'il n'y a pas un boss à la fin ou quoi. Enfin bon, ce niveau, parfaite représentation en fait de ce que je pense de tout le jeu, c'est que c'est un jeu qui est très original, qui a vraiment un truc particulier, qui a de très bonnes idées, mais mon dieu, parfois le game design, mais ça fait tout foirer quoi. Enfin, typiquement, c'était pas évident, je trouvais, que ça, là-bas, c'était une échelle. Là, ça. Alors, peut-être que la première fois, tu descends par cette échelle, je sais pas, mais... Mais ça reste pas évident, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, tous. Et puis, aussi... Un truc perfectible au niveau du jeu, c'est l'ergonomie des boutons. Enfin, c'est. Je passe encore aujourd'hui la plupart de mon temps à me tromper au niveau des boutons, quoi. Oh, ces murs ne sont pas plus épais qu'une croûte de crème brûlée. Moi, je suis plus. Moi, ça dépend. Je suis très éclectique en fait dans mes goûts. Après, je préfère regarder des trucs genre humour, mais... The Walking Dead, que j'adore, autant dire que c'est pas vraiment drôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Fred? C'est toi, ça? Hein? Quoi? C'est incroyable! Good morning, Twitch! Good morning, Fieril! Comment ça va? Bon, je ne cache pas que tu arrives un peu sur la fin du live, du moins j'espère, parce que j'aimerais bien que ce niveau soit... terminé! L'avenir t'appartient, Fred Bonaparte! Tu es un véritable soldat. Va, mène toutes tes batailles avec la détermination dont tu as fait preuve aujourd'hui. Et ta vie ne sera qu'une suite de victoires. Je vais froyer apparemment. Aïe, 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 aïe. Sauf pour la dernière, celle de Waterloo. J'étais malade ce jour-là. J'avais très mal à l'estomac. T'es malade du coup. Merde. C'est pour ça que j'avais toujours la main glissée comme ça, tu vois. Tu comprendras mieux plus tard. C'est héréditaire. Bon, bah on a fini ce niveau du coup. Oh putain. Il est vraiment parti? Eh oh, eh oh, y a quelqu'un ici? On a gagné, Raz. Je suis de nouveau moi, tout seul. Et pas corse. Sors-moi de cette camisole. Que j'aille étrangler un infirmier. Eh, bonne idée, Fred. Ça me simplifierait beaucoup la vie. Ouais. Dès que j'aurai fait un petit somme. Oui, un... Quoi? Un somme? Oh. Je hais la guerre, Rasputin, et j'ai sommeil. Et je me suis jamais présenté, je crois. Comment tu sais que je m'appelle Rasputin? Moi, je suis pas là sur les dernières secondes, c'est mieux que les dernières fois. Oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, j'ai une camisole, j'ai peut-être d'autres trucs à prendre, je sais pas. Hey Fred. Hey Fred.
Et donc là, il y a quoi faire maintenant? Sauver Lily, monter au sommet de la tour comme dans ma vision. D'accord, mais... Bonjour, docteur Loboto. Au laboratoire secret, alors, n'est-ce pas? Un instant. Vous n'êtes pas le docteur Loboto. Mes yeux me jouent des tours, mais je peux reconnaître ce savant fou entre mille. Il a un visage froid comme la pierre, qu'on oublie difficilement. Il porte une blouse bizarre, avec d'épaisses lanières comme une chaise électrique. Et à la place de sa main, il y a une grosse pince en métal brillant. Donc si je ne m'abuse, vous n'êtes pas le docteur Loboto et ce n'est pas vous qui me payez. Alors n'approchez pas de mon ascenseur et allez crever ailleurs. Merci, monsieur. Il est flippant, mais j'aime bien ce perso. Tromper l'infirmier pour qu'il me laisse monter dans l'ascenseur. D'accord. Bon. Du coup, ça, ce sera pour plus tard. Trouver une pince pour le costume de Loboto. Ah, mais j'avais peut-être un truc. Le trophée de machin, là. Ah, voilà. Ça fait pince, ça. Je vais juste tester. Et puis on pourra y aller après. Enfin, on pourra Bonjour, se laisser là. Docteur Loboto. Un instant. Si vous êtes le docteur Loboto, qu'a donc votre visage? Où est donc votre veste à lanière? Vous vous êtes fait raccrocher une main humaine? Vous vous améliorez les malades? Mais on ne trompe toujours pas le vieux Crispin Whitehead. Je suis un infirmier, moi, pas un imposteur. Adieu. Bonjour, docteur Loboto. Si je peux me permettre, votre pince est particulièrement menaçante aujourd'hui. Un instant. Si vous êtes le docteur Loboto, qu'a donc votre visa? Ouais, il me reste encore des trucs à faire. Après, il y a la camisole. Et il me manque encore un truc pour le visage, en fait. Baguette de sourcier, sel, plume de corbeau, bracelet de Lily. Je suis pas sûr. La blouse de labo pour le costume de Loboto, d'accord. Mais par contre, il me laissera toujours pas passer. Je vois que vous portez votre veste préférée. Si je peux me permettre, votre pince est particulièrement menaçante aujourd'hui. Un instant. Si vous êtes le docteur Loboto, qu'a donc votre visage? Vous vous améliorez. Ah, il me manque encore quelque chose. À tous les coups, doit y avoir un troisième patient à voir. Ça, tu vois, ça va être... Il y a un troisième patient à voir. Et lui, il me donnera un truc pour le visage, justement. Oh, putain, il y a un truc là-haut. Il y a un cerveau. Voilà. On ne saura jamais comment Chloé a pu l'éternuer à travers un casque. Ce bisou sur le cerveau, c'est quand même particulièrement dérangeant. J'aimerais juste retrouver, enfin trouver tout court d'ailleurs, où est le dernier patient, quoi. On a eu Gloria. Bon, on a eu le laitier, mais le laitier, je sais pas s'il compte vraiment pour le coup. Voilà. Ah. Il y a un truc là-haut, il y a un cerveau là-haut, je veux le cerveau, moi. Oh putain, il y a un autre cerveau ici.
Jobs. Quoi de neuf, hein? Et par contre, il y a un autre cerveau. Bah, ici. Ok, en fait, il faut être là au bon moment, quoi. Faut attendre qu'il redescende. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut attendre qu'il redescende, mais j'ai pas l'impression qu'il redescende. On a quelqu'un là. Putain, comment on le fait descendre ce truc? Je veux cerveau. Attends, quoi est-ce que tu viens de ramasser? Sérieux, je viens d'en ramasser deux et je vais en ramasser un troisième qui est là dans ce bocal. Ah, ça y est, il descend. Putain! Je crois qu'il faut que je sois invisible. Pourquoi c'est normal? horrible bisou sur... Oui, ça doit être vis... Ben oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, on est dans une colonie... Attends. Voilà, c'est stressant. Oh non! Nous sommes dans une colonie où les enfants se sont tous fait voler leur cerveau et donc on doit les retrouver. C'est aussi simple que ça, tu ne trouves pas? Voilà! Ça m'étonne que le cerveau de Milka ne devienne pas invisible quand je m'approche. Milka. Normal. Oh. Ça te surprend tant que ça? Oh. Mais enfin. Ouais, je voulais. Aïe. Je voulais la carte. Voilà. Merci, Pyro. Pour le GG. Et bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir aller dans la salle qu'on a vue juste là. Ce sera un autre esprit à visiter, a priori. Qu'est-ce que tu peins là? C'est mon mécène, mon psychiatre, mon gardien. On dirait plutôt le docteur Loboto. Ouais. Celui qui t'a enchaîné? Le docteur ne me laissera partir que quand mon traitement sera fini. Alors, pourquoi tu ne finis pas ce tableau pour partir? Pourquoi je n'ai fini? Il a l'air sympa ce perso. Il suffit de... Tu as peint une corrida sur la tête du docteur. Pourquoi une corrida? Hein? Edgar, pourquoi tu... À chaque fois, c'est pareil. Les matadors, les taureaux, comme j'ai... Sérieux, il meurt, t'es sûr, Phyril? N'y peuvent rien. C'est pourquoi je suis là, retenu par bien plus que ses chaînes. Un prisonnier de l'art. Retenu par bien plus que ses chaînes. C'est classe. Il part classement. Il faut que je descende. Ça ira? Ça ira. Ça ira. Et Edgar a triomphé de son obsession tauromachique. Ok. Eh ben, du coup, je pense qu'on va faire ça dans la partie suivante.
J'espère qu'il restera plus beaucoup de trucs, mais a priori, j'ai comme l'impression, faudra que je vérifie, mais j'ai comme l'impression qu'on arrive vraiment sur la fin, il doit rester deux lives, un truc comme ça, quoi. Parce que une fois que j'aurai fini son truc, je pourrais passer a priori l'ascenseur et on aura accès au dernier niveau, j'imagine. Bref, du coup ça va être la fin de ce live, on va sauvegarder et on va se laisser. Merci en tout cas à tous d'avoir été là, désolé pour ce moment de galéritude extrême qu'il y a eu pendant ce live. J'ai vraiment cru, c'était il y a à peu près une heure, ouais c'était il y a une heure, j'ai vraiment cru que j'allais raccrocher, que j'allais un peu rage quit parce que ça me gonflait vraiment, mon dieu. Et bah du coup, hop là. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, et qu'est-ce que je peux dire de plus, à la prochaine. Je rappelle, il n'y a pas live demain du coup étant donné que je suis en concert, donc j'essaierai de trouver un créneau ce week-end pour faire le stream, je sais pas encore quand, honnêtement. Faudra voir, de toute façon je vous préviendrai sur Discord. Bah d'ailleurs je pense qu'on va pouvoir, je vais pouvoir quitter le jeu et comme ça je vais reprendre la main sur la souris, je vais pouvoir pouvoir communiquer avec vous ensuite. Tac. Voici. C'est vrai, un peu tôt, je galérais dans un jeu, effectivement, mais là c'était assez hardcore. C'est, comme je disais, je l'ai dit plusieurs fois, c'est un niveau dans lequel il y avait de très bonnes idées, original, vraiment original pour un jeu de plateforme en 3D comme ça. Ça tirait un peu même sur le A Hat in Time, bon, même si A Hat in Time était fait après, mais c'est le genre de mécanique qu'on aurait pu vraiment retrouver dans A Hat in Time. Mais au niveau game design, du coup, c'était... niveau game... Comment dire? On va dire... Je sais pas, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va être la différence entre game design, level design? Game design bien pensé, level design pas bien pensé. Et du coup, ça gâche un peu. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir été là. Moi, je vous fais des gros bisous aussi, cœur sur vous. Et écoutez, bonne soirée à tous. Et à la prochaine. Ciao.